فرحان قفا بينو للهيلو لا حد سلحتو محيلة ضربو شوفارة الليلة احنا جايين من كل مكان لصورة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان avec la permission de Chemin Peña qui est toujours avec nous depuis une trentaine d'années et ce cours d'autorat il est Chemin sa femme Tout à l'heure, je vous ai expliqué que nous sommes à la période de Tshah B'Av et on l'appelle la fête de Tshah B'Av. D'ailleurs, c'est 22, on l'appelle Kara Alei Moed. On l'appelle une fête. On voit même que c'est un jour de deuil, on ne sait jamais. Peut-être ce jour-là-bas, il peut devenir un jour de Mashiach qui va venir et ça va devenir un jour de fête. C'est pour ça que même le prophète a dit Kara Alei Moed. Il a appelé ce jour-là une fête. Et on voit que cette fête de Tisha B'Av, le 2 de Tisha B'Av, on voit que chaque année, il se répète. Et vous avez bien remarqué que, je m'excuse de vous le dire, c'est mon sentiment personnel. On n'a plus les mêmes sentiments de chaque année vis-à-vis de Tisha B'Av. Chaque année presque, on sent moins en moins le deuil de Tisha B'Av. Alors qu'à l'époque, la semaine de Tisha B'Av, on rigolait pas, on parlait pas, on était un peu... Aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Vous avez bien remarqué ça. Moi, je me rappelle à Lyon, j'étais jeune, j'ai 66 ans, je me rappelle, au fur et à mesure des années qui passent, je sens que Tisha B'Av, il n'a plus de sens. Et pourtant, c'est Tisha B'Av. On sent que, lorsqu'on, vous savez qu'il y a les halakhot de Tisha B'Av, avec les halakhot de quelqu'un qui a perdu son père et sa mère, on voit que pour le père et la mère, les deux, ils sont très rigoureux, et le deuil de Tisha B'Av, que là aussi on n'étudie pas la Torah, on se sent par terre et tout, on ne les sent pas aujourd'hui, l'année, cette année-là, 2016, l'année Tavshin Ayin Vav, on ne sent pas ce qu'on sentait l'année dernière. Alors, hier j'ai parlé de ça, et hier j'ai donné une réponse au collègue de Hanana, mais mettant aujourd'hui, j'ai une autre réponse. Donc, de moins on sort Tisha B'Av. Vous savez très bien. Nous-mêmes, on le ressent. C'est pas le Tisha B'Av d'avant. Il y a quelque chose. C'est comme la terre qui se réchauffe. Avant, il faisait très froid. Aujourd'hui, la terre, d'ailleurs, même le pôle Nord et dans beaucoup des endroits, il y a de la neige et de la glace, la terre, elle commence à se réchauffer. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors moi, à côté, j'ai pensé comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je pense comme ça. Je pense que la raison, elle est simple. Je dirais que quand je vois où nous envoie un message, c'est bientôt la fin du livre. Bientôt la fin, mais on est toujours en deuil. Mais c'est bientôt la fin du Tisha B'Av. C'est bientôt. De plus en plus aujourd'hui, on a la Emouna. Bientôt la Hashem Yulel à venir. Personnellement, j'ai le dire. Personnellement, et beaucoup de fois, aujourd'hui, je ne dis plus Animaami. Aujourd'hui, je ne dis plus je crois. On a vu le Mashiach. Je dis, c'est vrai, mais là, je le dire. Je ne dis plus cette phrase-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le animal. On a dépassé, je crois qu'il va venir. Aujourd'hui, on croit qu'il est là déjà. C'est comme par exemple, il y a une grande différence si vous attendez le Hatan et lorsque vous voyez le Hatan déjà arriver. Il y a une différence. Même si le mariage ne se fait pas encore, mais le Hatan, il est là. Il est là, le Hatan. Le problème, c'est qu'il n'est pas là.
Et voilà, oui, le Hatam. Et lorsqu'il est là, il est là. Bon, il est là. Et après, il n'y a pas de mariage. Bon, peut-être Rabbi n'est pas encore venu, peut-être on attend. Hein? Non, la Kalayoshi, elle est là. Tout le monde est là, mais ça, beaucoup de fois, ça, beaucoup de fois, on va en brite, mais là. Et il n'y a pas. Le bébé est là, le moyen n'est pas là. Tout le monde est sous pression et intention. Et dès que le moyen il vient, ça y est. La pression, elle tombe. Ah, le moelle est là. Même si ça t'a, le moelle est là. Le bébé, il est là, tout le monde est là. Là aussi, je dis pour ça, aujourd'hui, on sent que la tension de la lune de Machia, elle n'est plus comme avant. Et je vous allez voir l'année prochaine, entre autres aussi, les lumineux. Mais vous allez voir, c'est comme ça. C'est, aujourd'hui, on sent qu'il est. Pour ça, aujourd'hui, on dirait que je ne le pas. Mais nous, de notre côté, on a l'obligation de respecter la halakha de Tisha B'Av, le deuil, mais malheureusement, on ne peut pas commander le cœur. Le cœur, on ne peut pas le commander. Le cœur, on ne peut pas le commander. Et il y a des vrais tzadikis qui avec eux, ils sentent le deuil de Tisha B'Av. Il y a beaucoup de tzadikis qui avec ils sentent, ils ont la peine, etc. etc. La bouteille, je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai vu dans un. Il apporte une question qu'il pose à l'hymnologie. Mais à l'hymnologie, c'était l'élève de Udor du Vina. Il pose une belle question. Il y a une Mishnah qui dit le Olam Mipila Isha Meriah Basar HaKodesh. Lorsqu'il y avait le Betamikdash, il y avait beaucoup de sacrifices. Il y avait milliers de bêtes, ils étaient brûlés chaque jour. Parce que ces sacrifices ont brûlé la viande. C'était comme il y avait beaucoup d'arachan, il y avait beaucoup de fumée, des sacrifices, il y avait plein. Et les gens aussi mangeaient là-bas. Il y avait beaucoup des gens qui apportaient des sacrifices qui devaient le manger là-bas dans le village. Mais beaucoup de fois j'arrive, j'essaie d'imaginer tout ce qui se passait au bout d'un village. C'est inimaginable, c'est incroyable. Il se passait que il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes. Et que vous savez qu'une femme qui est enceinte, lorsqu'elle sent quelque chose et elle a envie, c'est pas bien pour le bébé. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient pauvres. Ils n'avaient pas le moyen d'apporter des sacrifices il y a beaucoup de sacrifices. La Torah a donné des prix. Les riches, ils apportaient les pauvres, ils apportaient quelque chose. Chacun, selon ses mères, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la porte à tout le monde. Il n'a pas exigé à Kadosh Baruch Hu pour d'apporter quelque chose qu'il ne peut pas apporter. À la fois, il y a beaucoup de femmes, mais la Gemara a dit que jamais on a vu une femme qu'elle a perdu son bébé, être une fausse couche, parce qu'elle a senti la viande et ce qu'elle y est, elle avait envie, jamais on a vu ça. Jamais on a vu ça. C'est-à-dire qu'il y avait un grand miracle. C'était un des miracles qu'il y avait. Il y avait 10 miracles au Bétamique. Et parmi les 10 miracles, il y avait ce miracle-là. C'est ce miracle-là qui est extraordinaire. Maintenant, Rabbi Hymnologie, il pose une belle question. Il dit, c'est quoi le miracle? Mais il y a une halakha qui dit, écoutez bien ce qu'il pose Rabbi Hymnologie. Il y a une halakha qui dit qu'une femme, si elle a envie de manger même un petit peu, on lui donne à manger. Si elle a une femme qui est enceinte, et qu'elle a envie de manger à Kippour, on lui donne à manger. Elle sent le poulet, elle sent la dafina, elle est enceinte, et on lui donne à manger. Alors là, pourquoi faire un miracle? Pourquoi Kadosh Baruch Hu provoque un miracle? Que lorsque on n'a jamais vu une femme qu'elle avait envie de la grillade, et parce qu'elle n'avait pas envie pour manger cette grillade, elle a apporté son bébé. Donne-lui à manger! Donne-lui à manger, donne-lui un petit morceau. Elle casse son envie. Pourquoi faire un miracle? Pourquoi? Il se casse à la fin, sur le bras, chez Eveya,
شي ريحة مع خليل ولا مع خليل ودا بما شي ريحة في دي شو تبيت عمنا أخوان يدوس كلا سنتي دول لي أمانجي alors là aussi puisqu'elle sent la grillade dans lui à manger. Il y a une autre question qu'il pose. Il dit, pourquoi il n'y avait pas un autre miracle? Que la femme est sympa. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a jamais vu une femme qu'elle a senti et qu'elle a eu un fausse couche. Pourquoi il n'y a pas eu un miracle qu'elle sent pas? Quand je vois qu'il fait, qu'elle ne sent pas. Et point final, et on a gagné. Abu Dhabi, c'est deux belles questions que Rahimoulogine al-Rachal nous pose. Étant donné qu'aujourd'hui on part sur Beth Amikdash, et aujourd'hui on est dans une période de Tisha B'Av, je suis dit de parler sur Beth Amikdash, la grande. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tzadikim. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tzadikim qui font des miracles. Et il y a beaucoup de tzadikim. Bah, par exemple, vous savez, ce que j'entends tout le temps, par exemple, hier, j'étais à Anana, il y a une femme qui vient me voir hier, elle et sa fille. Elle me dit, eh bien, cette fille, elle est née avec la racha que vous avez fait, ils sont de la père une fille. Maintenant, je vois la mère et je vois la fille, ils se ressemblent. Je croyais même qu'ils étaient des sœurs. Alors, je lui dis, on n'arrivait pas à avoir des enfants, et Bisro de la Behim Pinto, voilà ma fille Bokha. Et maintenant, voilà, je veux maintenant une Bokha pour qu'elle se marie. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, madame, c'est après 20 ans que tu viens de le dire. Après 20 ans, tu attends 20 ans pour venir me dire ça, tu ne peux pas me dire. Elle dit, non mais je vais raconter à tout le monde, Vous êtes trop dans la Behim Pinto, que je n'arrivais pas à avoir des enfants, et que vous êtes fait voir ça, que vous êtes trop dans la Behim Pinto, tu m'as dit que Estachem, tu verras, tu auras une fille, et bébé, j'ai une fille. Voilà, tu as fait voir ça, et j'ai une fille. Et elle va maintenant. Mais lui, je la raconte. Et dans ma tête, j'ai dit une chose. Dans ma tête, j'ai dit, bon, madame, puisqu'elle a cette fausse femme, il faut bien la juger. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on est. Au moins, cette femme, 20 ans plus tard, elle est venue. Mais est-ce que vous vous dites merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait avec nous chaque seconde, même 20 ans plus tard, même 30 ans plus tard? Est-ce qu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu? C'est vrai, on dit Modéani, le matin on dit Modéani, on dit merci à Hachem. Mais est-ce que ce merci, il est du fond du cœur? Non, je ne sais pas. Comme un ambassadeur, vous ne pouvez pas imaginer le manque qui nous manque aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas Beth Amikdash. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... À l'époque, lorsqu'il y avait Beth Amikdash, on allait au Beth Amikdash, on allait à la maison de Hachem, parce qu'on l'appelle Beth Hachem, et là-bas, on voyait la présence de HaKadosh Baruch Hu, chose qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un travail pour sentir un peu de chaud. Je dis, écoutez, vous tous, vous voyez un peu de chaud en haut, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez la Emouna, ça c'est... Mais est-ce qu'on voit? De temps en temps, on voit un miracle. Ah, miracle! De temps en temps, que je vois en haut, il nous envoie un signe. Ah! Mais à l'époque, je faisais une petite image. Chaque jour, on voyait la présence d'Hachem. Celui qui veut voir la présence d'Hachem, il va aller à Beth Amikdash. Il voit tous ces miracles qu'il y avait là-bas. C'est même les goyim, la Gemara dit, que même les goyim venaient du monde entier pour voir ces miracles. Les goyim venaient. Il y avait un endroit spécial à Beth Amikdash que pour les non-juifs. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller partout. Il y avait un endroit. Et eux-mêmes, ils apportaient des sacrifices pour Beth Amikdash. Pour un cadeau sport. Il y avait des miracles. Donc, on nous dit, vous voyez la bracha. La bracha. Et ça, ça nous manque aujourd'hui. Ça nous manque, ça. Même le deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de miracles. On pouvait les voir.
Parce que le deuxième bêta-amygdale, il était moins important que le premier bêta-amygdale. Parce que le deuxième bêta-amygdale, il manquait des choses. Et le premier, il était complet. Il y avait avant la codège, il y avait la manne, c'est une manne, il y avait plein de choses. Le deuxième bêta-amygdale, il manquait. Mais il y avait toujours là les miracles, etc., etc. Ça me manque tout ça. Alors, vous avez bien une halakha. Et je crois maintenant qu'on n'a pas bêta-amygdale. Il y a une chose que la Torah veut nous apprendre. C'est un message pour toutes les générations. Que celui qui fait une mitzvah ne perd pas. Il faut avoir cette émouna. Que celui qui fait une mitzvah, il ne perd pas. Il ne perd pas. Il ne perd pas. La hémologie pose une question. Pourquoi il y avait un miracle au bêta-amygdale, qu'une femme qui était enceinte et qu'elle sent la grillade, jamais on n'a vu une femme qu'elle a fait une fausse couche. Et alors, je me suis posé une question. Pourquoi que je n'ai pas fait que cette femme ne sent pas? Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est un grand miracle. Ou bien de l'autre côté, il y en a un qui dit qu'une femme qui a envie de manger, doit lui à manger. Alors, pourquoi que je vais la provoquer un miracle? Qu'elle ne provoque pas quoi dire? Qu'elle lui donne moi? Ah, mon mari, moi, ah, je suis enceinte, j'ai envie de manger une grillade. Tiens, donne-les à manger. Voilà, et c'est tout. Pourquoi faire un miracle? En bouteille, je pense que la Torah, elle veut nous apprendre quelque chose. Cette femme, elle est enceinte. Elle sent la grillade. Elle sent la grillade. Et nous, on sait une chose, elle ne va pas avorter. Parce que cette femme-là, elle fait ce que la Torah a dit. La Torah a dit qu'il faut aller au bêta-amygdale, et si son mari part à bêta-amygdale. Et celui qui va à bêta-amygdale, il a toutes les garanties de la poche pour qu'il va rien lui arriver. Celui qui respecte, il dit ça, il voilà une garantie. Enfin, tu as une garantie, tu as un passeport. Mais je suis enceinte, j'ai peur de mon mari, je suis enceinte, j'ai peur que je sens la grillade, et je vais avorter. Je vais perdre le bébé. Le mari va le répondre, non, il va pas. Il va rien t'arriver. Même si tu sens. C'est pas plus compliqué que toi, mais rien que tu ne sens pas. Tu vas sentir et rien ne va t'arriver. Pourquoi? Parce que la façon de faire d'aller vers le bébé. Je n'ai pas peur, rien ne va t'arriver. Non. Tu aurais dit, il faut faire aller à t'arriver, il faut monter au bêta-amygdale. Tu peux monter au bêta-amygdale. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Tu es garanti. Rien ne va t'arriver. De toute façon, ils ne vont pas manger. Il n'y a pas une chose à refaire. On dit que sera vers Amalika. Je ne demande pas de récompense. Tu fais une mitzvah, ne t'attends pas une récompense. Alors, le fait qu'une femme, elle est enceinte, elle va au bêta-amygdale, elle fait une mitzvah d'aller au bêta-amygdale, alors le fait qu'on va lui fermer le nez droit. Pour ne pas sentir, c'est comme une récompense qu'on lui donne. Il n'y a pas de récompense. Tu vas bien sentir, rien ne va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu as compris la mitzvah. Tu as compris la mitzvah, il n'y a rien à craindre. Et ça, la beauté, ça nous manque aujourd'hui. Ça nous manque ça. Avant, lorsqu'il y avait le bêta-amygdale, il n'y a rien que le bêta-amygdale. Ça nous donnait du courage, ça nous a encouragé pour servir à la Kadosh Baruch Hu. On est une hazek, on se renforçait. Et aujourd'hui, il nous manque ça. Et à la beauté, malheureusement, c'est pour cela qu'on dit Torah Tzrim Hizou. De la Torah, aujourd'hui, c'est très dur de croire à la Torah. Très dur, même là. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, on vit dans un monde, on est plutôt tous matérialistes. On pense qu'au matériel. Parce qu'on voit que le matériel. On voit que le matériel. Et la tête, vous savez, la tête est devenue matérialiste. Et on fait les mitzvot, et c'est par habitude. C'est ça, on fait pas. On fait tout. Tout, c'est par habitude. Tout, c'est par habitude. Malheureusement, même, on se réveille, on fait des mitzvot. On fait la prière, c'est l'habitude. On se réveille, donc c'est par habitude. Tout devient par habitude.
Tout devient par habitude. Et notre travail à nous aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse des choses par habitude. Et c'est la raison pourquoi on doit voir les tzadikim, comment ils servent à quel jour. Ou lire des histoires, ou lire comment les tzadikim vivaient. Pour la beauté de cette semaine, j'ai commencé à lire un livre de. Et chaque fois une fois je lisais ce. Mais pas les tzadikim. Parce qu'il y a beaucoup de jours aujourd'hui, les gens ils cherchent à lire les miracles qu'ils ont fait les tzadikim. Moi je suis un peu contre de lire que ça. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi lire les tzadikim comment ils ont vécu. Pas toujours lire que le côté miracle. Il faut lire le côté action, comment ils ont servi à Kabosho. Parce que les miracles c'est facile de faire. Les miracles c'est facile. Parce que qui a des monnaies à Kabosho, il fait des miracles. Mais servir à Kabosho, c'est dur. Ne pas parler à la Shonara, c'est dur. Ne pas penser du mal sur Pékin, c'est dur. Ne pas voir des photos sales, c'est dur. Ne pas voir ce qu'il faut pas voir, c'est dur. Ça, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est si tu sers à Kadosh Baruch Hu avec effort, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous manque. Lorsqu'il y a le Bétamigdash, on a le Bétamigdash, on voit ces miracles, cette Kedusha de Bétamigdash, on retourne à la maison avec une grande émouna et on va servir à Kadosh Baruch Hu. Maman, je suis venu. D'une manière extraordinaire. Je veux simplement que ça. Je me rappelle à Issaouira. Quel est le souvenir que j'ai moi de mon père? Quel souvenir que j'ai de mon père? Le souvenir que j'ai de mon père, c'est toujours été. Chaque fois que je pense à mon père, j'ai toujours une image qui passe devant mes yeux, comment il était assis. Avec un hamburger. Il n'avait pas dit chez mon père. Il n'avait rien de tout. C'est tout. Il n'avait rien de tout. Il ne travaillait pas. Il était à la maison. Et ce que ma mère lui demandait, mon père lui disait, tout à l'heure je t'ai donné. Mais il lui dit, ma mère s'est habituée. C'est quoi tout à l'heure? Tout à l'heure je te donne. Et pourquoi pas maintenant? Tu viens de me demander, demande-moi. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va demander le bracha, et il va lui donner ce que mon père il avait besoin. On vivait avec ça. Ça, on a vécu ça. C'est pas qu'on m'a raconté. Soit que c'est devenu habitude. Soit que, au fur et à mesure, lorsqu'on a grandi, on devait voyager, mon père a dit, ça que j'ai besoin. Je disais, la jauge de voyage, je demande comme ça. Waouh, 5 minutes, 10 minutes. En arabe, on savait que 5 minutes, 10 minutes, on savait, on attend. Il y a quelqu'un qui va venir, il va lui dire exactement le montant qu'il avait besoin. C'est la folie. Et là, il nous l'a qui faisait avec un pito. Mon père, Abba Shalom, il écrivait. Celui-là, il m'a emporté 20 kilos de viande. Celui-là va m'apporter ça, celui-là va m'apporter ça, celui-là va m'apporter ça. Et je me rappelle, il me donnait la liste, et c'était moi qui allais chez ces gens-là, et ces gens-là, ils m'accueillaient avec joie, et ce qu'il a demandé, c'est avec son erreur, on vivait avec ça. Quand on a vécu. Et lorsqu'il est venu en Israël, c'était pareil. Lorsqu'on est venu en Israël, on est arrivé à la maison, je me rappelle, ma mère vient lui dire, voilà, on habite maintenant, la maison est vide, on n'a pas reçu on n'a rien reçu encore, comment on va faire? Il dit à Benti, fais-moi la liste, tout ce que tu as besoin. J'ai besoin de tout, il n'y a rien à la maison. Il m'a crié, il dit en arabe, note. Et ma mère, à un moment donné, elle veut s'énerver, mais c'est qu'il ne faut pas qu'elle s'énerve, et c'est que ce qu'elle va écrire. Alors, elle a écrit même ce qu'elle n'a pas besoin. Il lui a dit, ça c'est la liste des choses électriques que je veux, et ça c'est l'alimentation. Il y a un juif, c'est lui qui me l'a raconté. Il vient sur mon père. Il dit, j'ai entendu que vous êtes venu, je vais être le premier qui reçoit le bras. Il lui dit,
Est-ce que tu connais un jeu qui s'appelle le mot Wiesmann? Il avait ma collègue de les animés. Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, quand tu es venu ici, j'ai une bicyclette. Il prend ta bicyclette et va chez lui. Il dit, je ne connais pas. Et il va. Et là où la chaîne va tomber, c'est là-bas. C'est lui qui me l'a raconté. Il a commencé à rigoler. Mon père lui a dit, non, je ne connais pas. Ma mère, elle lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit fait? Et ça, ce qu'il a fait, il est parti, il roule, il roule, il roule, il roule. Mais il est parti à Elisabeth. Et là où la chaîne est tombée, il s'arrête, il voit des magasins, il ne sait pas quoi. Il y a un juif qui se dit, t'as commencé à Elisabeth, tu veux que je t'aide? Je lui dis, on est sur la chaîne. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas, je cherche un qui s'appelle Shlomo Weitzman. Il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. C'est toi? Voilà, ça c'est la débouche. Quand il est là, il est là. C'est lui qui a fait ce qu'il s'est là. Voilà les choses qu'il veut. Quand on a vécu comme ça. C'est-à-dire que chez nous, à la maison avec mon père, c'était comme le bétamine d'âge. On vivait des miracles. Mais de l'autre côté, on vivait aussi ses maracines. Il ne sortait pas. Il ne voyait pas. Même ma mère, il ne la voyait pas. Même ma mère. Je sais qu'il était sûr que c'était ma mère. C'est après qu'il levait ses yeux pour la voir. C'est ça. Ça, ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsqu'on avait 8 ans d'âge, on vivait ça. On vivait tout. Et là-bas, on voyait tous les juifs qui apportent le maaser, maaser chimique qui vont le manger là-bas, et qui apportent les bikourim. On voyait des miracles. Et on voyait ces soukous. Rien qu'elle a fait du soukous. Des millions de juifs. Chacun a fait une souka. Mais où? Où chacun a fait une souka? Dans une montagne. Où? Comment ils ont fait? C'est une miracle. Et ça, ça nous manque aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pense à tout ça aujourd'hui? Malheureusement, non. Et pourtant, c'est des miracles. Parce que, malheureusement, c'est l'irida d'Adoros. On est un peu. On n'est pris pas le matériel, le roi. Mais au moins, il y a une chose qui peut nous réveiller. Parce qu'on voit, on lit un peu les histoires des tzadikim, comment ils ont vécu, comment ils vivent, comment ils sont mis de gâteau sur le tzara. Bon, c'est-à-dire qu'au côté Mikdash, il y avait deux côtés qu'on voyait. Il y avait le côté miracle qu'on voyait, il y avait le côté aussi, pas des miracles qu'on voyait. Aujourd'hui, malheureusement, il nous manque tout. Il nous manque de tout. Il nous manque tout. Parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui qui est en doute. Et par-dessus le marché, aujourd'hui, on ne sent plus avoir des amis comme avant. On ne le sent plus. On ne le sent plus. C'est plus comme avant. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de miracle, on ne voit pas ce miracle. Et parce que malheureusement, on voit des choses qu'il ne faut pas voir. Alors on ne voit plus rien. Voilà, on s'intéresse à. On s'intéresse qu'à des bêtises au début, plus qu'avant. Et malheureusement, c'est ça. Voilà où on est arrivé. Vous vous rendez compte, Rabotei, à l'époque, on voit une femme enceinte, qu'elle n'a pas de manger, et son lagrillade, au déboulage, était sûre qu'elle n'avait pas fait une fausse couche. Était sûre. Et ça, elle respirait bien, elle n'a pas à manger, et on sait qu'elle ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une mitzvah. Elle a accompli la mitzvah d'aller à la régale, elle va mettre la mitzvah. Donc, cette mitzvah-là, il n'y a rien à craindre. Est-ce que nous, on est convaincus aujourd'hui, lorsqu'on fait une mitzvah, on sait qu'on n'a rien à craindre? On fait la mitzvah, on a peur. On a même peur de faire une mitzvah. Pourquoi pas? En la faisant, je vais perdre. À l'époque, il n'y avait pas ça. On savait que celui qui fait une mitzvah, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à perdre. C'est ce qu'il y avait à l'époque. Il m'a raconté au Canada une vraie histoire. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il s'appelle Haïm Altit, que sa mère toujours a perdu les enfants. Ce Haïm Altit, il est âgé aujourd'hui, il habite au Canada. Alors, Rabbi Haïm Pidou, il passe et lui dit Arbin, Klavalia, lui a dit ah, c'est bien que tu as demandé un bracha, jamais tu veux te demander un bracha. Il a dit moi, chaque fois je croyais que ça allait marcher, et chaque fois je perds des enfants. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a dit, je veux un bracha pour avoir un garçon. Il a dit, et voilà,
tu aurais un garçon, tu l'appelleras Haïm, Meimout. Il ne va pas mourir. Et puis d'autres tout le monde s'appelait Haïm. Il a dit tout le monde Haïm, Haïm, Haïm et tout. Et voilà. Il avait un garçon, et dans sa tête, elle dit, si je tombe enceinte, je donne tous ces bijoux à Rabbi Haïm Pido. Elle tombe enceinte, elle me demande un garçon, elle avait un Haïm, mais elle n'a pas compté les bijoux. Et un matin, Rabbi Haïm Pido, à la Shalom, il va chez elle, mais avec deux rabbins. Il tape à la porte. On ouvre la porte, Rabbi Haïm Pido, ah 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 ah, j'oublie de vous donner les bijoux. Je venais de Rabat de faire un talab d'Edaï. Annuler le nez actuel. Non, non, comme je te donne, non. Plus tu les as pas portés à l'heure, c'est que je sais que tu as besoin. Ah, c'est pas grave, ma fille. Je t'ai redonné, je ne veux pas. Mais je veux pas qu'il y ait un nez sur ta conscience. Je t'aime. Qui fait ça? Quel rabat va faire ça? C'est dur, hein? C'est très dur. Très, très dur. Il y avait un qui avait une montre de. Vous savez qu'il y a des montres de 200 000 dollars, vous savez ça. Oui. Est-ce que vous le savez ou pas? Ah. Ben ouais, il y a même une montre qui coûte 800 000 dollars. Ah oui, je ne rigole pas. Je ne sais pas comment elle est faite, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais je vous le dis. Hein. Ah, je ne sais pas. Ben, le or, diamant, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais une chose. Que quelqu'un, il avait un, il me l'a donné. Parce qu'il avait un problème, il me l'a donné. Moi, je l'ai pris. Après, j'ai commencé à réfléchir. À quoi je réfléchis? J'ai dit, ça va, je l'apprends. Vous imaginez les gens qui vont dire, s'ils me voient porter cette montre, ils vont dire, Rabbi David Pinto, c'est le. Il est, il est millionnaire parce que pour porter une montre comme ça, c'est que. Et un de mes enfants me dit, papa, mais prends-la et garde-la. Je lui dis, non. Je ne veux même pas que ce monsieur-là me l'a donné. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai sa montre. J'ai refusé. Même son argent, je n'ai pas voulu. J'avais le droit d'être ça. Là. Mais d'autre côté, beaucoup des fois, il faut penser aussi à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi à penser à Kadosh Baruch Hu? Il faut penser que, parfois, est-ce que ça vaut la peine? Parce que ce monsieur-là, dans sa tête, il va dire, j'ai donné une montre qui coûte tant d'argent à Rabbi David. Donc il est matérialiste. Pourquoi je vais créer cette idée dans la tête d'un juif qu'un rabbi, fils de Rabbi Haïm Pido, il est matérialiste? J'aurais pu aussi dire, dans la moire pour la yeshiva. Ça aussi, non. Parce que lui, dans sa tête, il va dire, ouais. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. On ne peut pas savoir. Ça, la bouteille, aujourd'hui, ça, ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui de prendre exemple des rabbins. On a besoin de les voir comment servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas Ben Amigdash. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est le rabbin. À l'époque, on a porté des Bukhurim pour Ben Amigdash. Aujourd'hui, on a porté des Bukhurim pour rabbins. Parce qu'on considère les rabbinim comme des Amigdash. Il faut aussi les rabbinim, ils se comportent de la même kedusha qu'il y avait dans les Amigdash. Sinon, c'est grave. Voilà la bouteille. Aujourd'hui, Baruch Hashem, si vous voulez réussir, c'est la chose suivante. Et pas de Ben Amigdash. Mais lorsque vous voyez, vous lisez comment les tzadikim ont vécu, comment ils vivent, pas du côté miracle. Côté miracle, même vous pouvez les faire. Moi, je vous le dis, hein. Chaque juif peut faire des miracles. Chaque juif, il peut faire des miracles. Écoutez, on vient prier. On prie à Kadosh Baruch Hu, et le miracle lui arrive. Hachem, c'est la taille de pour qu'il ait la terre. C'est vrai, hein. Pour s'assurer, on va chez des rabbins. Mais chacun de nous ici, il est miraculeux. Parce que chacun de nous ici, il s'appelle Bani Matin Hachem Anokafi. Vous êtes tous, on est tous des enfants de la Kadosh Baruch Hu. On est tous. Même, je vous donne ma parole d'honneur. Ah, pourquoi on va chez les rabbins? Uniquement pour se rassurer, pour avoir une garantie, pour être rappé d'autant. Mais chacun de nous ici, attends, si on ne s'adore pas, ah, pourquoi on prie à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi on prie? Pourquoi je prie? Je prie à Hachem
la rifoua, la rapanasa, la santé. Je prie à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, Ritzoné, Rabbi Azé, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de me répondre. Il est obligé de me répondre. Des miracles, on n'a pas. Rien que notre existence aujourd'hui, c'est un miracle. Vous voyez des millions de missiles qui sont. Le fait que Israël existe, un miracle. C'est un miracle. Bémet, c'est un miracle. Il y avait une fois, Rabbi Yeshua ben Hanania qui se promenait à Rome avec l'empereur Adrianus. Il y avait un juif qui passait. Et Adrianus, il dit à Rabbi Yeshua ben Hanania, t'as vu, hein? T'as vu ce mouton qui se promène entre 70 loups et les loups ne le mangent pas? Alors Rabbi Yeshua ben Hanania, il a compris de quoi il parle. Il dit, Majesté, toi tu vois que les 70 loups et parmi eux un mouton. Mais est-ce que tu as vu le berger? Et j'ai vu le berger qui protège le mouton. Il y a le berger, il y a quand je vois au Hachem Chemise, Adonai Roé, Rexa. C'est lui le berger. Mais attends, regardez. Regardez, on existe. Aujourd'hui, c'est facile de d'effacer Israël, c'est facile aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut oser le faire? Personne. Pourquoi? C'est attention qu'il arrête. Attention qu'il arrête. Il détourne. Vous pouvez voir que ça se passe. Donc, à côté, n'oubliez pas ça. On vit tous avec des miracles. Tous en fait. Vous savez, le plus grand miracle, c'est quoi? C'est lorsqu'on se réveille le matin à prier. Lorsqu'on doit, parler à Shemara, on ne parle pas à Shemara. Ça, c'est des miracles. Et ça, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et c'est ça la bouteille, ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, la bouteille, quand je vois que je me protège, je vais prendre la santé. Au Canada, j'ai vu deux choses. Hein. J'ai vu deux juifs qui. Ils ont été ruinés. Les autres étaient ruinés. Et il y a des gens qui leur ont volé de l'argent. Les juifs parlent de Tzedaka, c'est tout ce que vous voulez. Ils sont venus me voir il y a 4-5 ans pour que j'intervienne. Mais j'avais peur d'intervenir. Pourquoi? Parce que l'autre côté, je les connais. Et je ne pouvais pas me. Par rapport à la connaissance que j'avais avec eux, je ne pouvais pas me mêler. Et en plus, j'étais carreau. Et vous savez que. Vous savez. Je ne pouvais pas juger parce que. Je suis Nogaya. J'ai plus tendance à être avec celui qui. L'adversaire, celui que. Hein? L'accusé. Donc, je ne sais pas comment faire. Et voilà la bouteille, cette fois-ci. Il revient me voir le monsieur, il me dit, Abbé David, j'ai entendu que il y a le mariage de tel et tel, et vous êtes parti à ce mariage. Tu sais qu'il m'a volé, il m'a pris de l'argent. Alors, je lui dis, moi, comment tu veux, je vais à ce mariage. Et je lui ai dit, tu as volé l'argent à. Comment je peux faire ça? Il faut avoir. Il m'a dit, il n'y a que vous. Et de l'autre côté, bon, je voyais qu'il avait raison. Comment je vais faire? Et elle a dit, comment je vais faire? D'un côté, ce monsieur-là, il m'aide. Et lui, il m'a expliqué, en m'expliquant, il a raison. Donc moi, j'aurais dit, il fallait aider Torah. Moi, je ne peux pas. Mais l'autre me dit, le Torah, c'est vous qui allez faire le Torah. Mais je dis, moi, je ne peux pas, je suis pris entre vous et lui, je ne peux pas, je suis logé à Badaba. J'ai plus tendance à être avec lui, plus avec, même que toi, tu as raison. Donc, je ne peux pas. Bon. C'est passé que, en plein mariage, il est tombé, le monsieur. Il tombait grave sur la tête et tout.
Donc, le premier qui a avancé vers lui, c'était moi. Il me regarde, il me dit « Braha ». Je lui dis « Je te fais braha ». Et essaye de s'arranger avec mon chef. Il dit « Quoi ?» Je lui dis « Essaye de s'arranger avec lui. Si tu penses que tu ne lui dois rien, alors tu ne lui dois rien. Mais si tu penses que tu lui dois, arrange-toi avec lui. » Il me regarde. Il me dit « Alors, je m'arrange avec lui, je m'arrange avec lui. » Et je m'en arrange avec lui. J'ai profité. Sont arrangés. Lui, grâce à Dieu, il est sorti, il n'y avait plus rien. Et lorsqu'il a payé. Oui, ça c'est... Ça, c'est un moment aujourd'hui. Si j'étais un homme, eh ben, pourquoi il fallait que j'attende jusqu'à l'heure pour lui dire? Donc, moi aussi, je suis pas. Moi aussi, je suis pas aimé. Faut le dire. Parce que si j'étais aimé à 100%, ben, depuis le départ, je devais être avec lui. Je devais pas avoir que mon intérêt. Bon, après, je vais vous faire prier. Il a apporté quelque chose que je me suis mêlé, mais pour il s'est dit qu'il m'a bon. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'irida tabloïd. Voilà, beaucoup de fois, j'entends « Ah non, je peux pas me mêler, ah non, je peux pas me mêler, ah non. » Ah, qui hein? Il y a un problème, je voulais mêler quelqu'un. « Ah non, je peux pas me mêler. Pourquoi je veux pas te mêler ?» Mais tu sais, non, c'est ça l'irida tabloïd. Les générations qui tombent malheureusement. Tout ça pourquoi? Parce qu'il nous manque de la chouette. Il nous manque la présence de la chouette. Non, tu y en es,